Atis Mika Ben mouri en France. Nous connaissons Mika Ben, c'est un nèg qui fait un pile parcours qui c'est dans compas créole, passé dans Crazy Music, New Crazy. Venir veillon le artiste là décidé faire a fait pal qui donc musique li et tout ça lagué sur réseau et sur pour tout le monde tendez enjoy ou quel que soit. Et bien n'ap di ou que jodian qui c'est samedi 15 octobre 2022 artiste Mika Ben monsieur mouri dans grand retour Karimi qui t'a fait en pile par en pile t'a fait sous même dossier ça sous même question ça qui s'est passé pour qui ça journée jodian Karimi lui-même décide de tourner alors que Glenny qui c'est guitariste lead nous bien dit qui c'est guitariste numéro 1 jazz là monsieur pas tourné avec Karimi et Karimi fait belle répétition belle performance tout le monde bat bravo en pile monde dit c'est hypocrite en pile monde dit que si Glenny pas là pas Karimi nous pas gain pour le max ça et bien mesdames et messieurs jodi qui c'est 15 octobre là Mika Ben monsieur mouri c'est une nouvelle qui choque en pile monde. Gen moun ki di ke artiste la te malade sou pied, artiste la pa de joui santé, mais yo pa de jam di moun sa. Et bien c'est jodi a artiste Mika Ben li même ta pral kite te sa, ta pral mouri nan performance k'ap fèt nan peyi la France côté Karimi, grand retour Karimi. Et bien c'est avec donc résultat ça que retour Karimi lui-même li ban nous c'est Mikael et donc Ben Mika Ben. Et bien mesdames et messieurs, pas oublier ou sur tvlakayhaiti.com nous pour faire autant de plus détails avec l'ami Georges Naptune. Mon et c'est avec un pile tristesse, n'ap salue tout le monde qui branché Radio Mega mais que quel que soit côté branché. Et nous prenons pile courage pour nous annoncer au chanteur Mika Ben et mouri. Nous connaissons pour dire Karimi te gen un grand comeback qui t'a fait en France. Et mais pendant Mika Ben te sou fin performé, pendant la descente stage là, et ben li te fait un arrêt cardiaque. Donc li te tombé. Il a fait plus que 30 minutes à Bali. Massage, il était obligé évacuer il était obligé mandé toute foule là pour yo quitter salle là parce qu'il était obligé camper concert là. OK, mais après en pile médecin qui vienne obligé font façon pour yo si yo ta fait li opération directement sous stage là, mais malgré ça Mika Ben pas arrivé et donc mauvaise nouvelle pour HMIL. Donc nous pral essayer pour nous si nous avons fait quelques contacts qui pour informer nous, mais malheureusement moun que nous gagnons en fait en France yo, donc pas même qu'à répondre téléphone yo et tellement pour dire yo sous stress. Donc information c'est à titre de rappel, donc Mika Ben nous connaît pour dire qu'il était participé dans concert grand retour Karimi, donc qui était fait dans Accor Arena. Donc Mika Ben pral tombé sous scène là, il pral victime de un arrêt cardiaque. Donc malgré tout massage, ben malheureusement Mika Ben pas arrivé et survivre. Donc mauvaise nouvelle pour Etchemaela. Donc Mika Ben mouri. Rete sous Mega, n'ap vini avec plus de détails. Ou du moins ceux qui restent du Sénat est un menteur. Qu'avez-vous à dire à cette population qui t'a voté et qui attend tout le temps et puis yo carrément déduit que sénateur Baoumati pas grand rien fait. Sénateur. La genèse de la question.
c'est quoi? Il y a de cela presque un mois, le 17, si je ne me trompe pas, par la presse, par devant KO, qui a annoncé, et sens pratique et pragmatique dont je vous fais preuve en toutes circonstances, et voulant anticiper les événements que nous vivons là, ce que m'a anticipé déjà depuis tantôt un an et demi, un an, et m'a retourné sous ça. Parce que je suis peut-être le seul homme politique qui, depuis 3 ans, dans tous mes tweets, et je pensais à un certain moment être perçu comme un niais, qui a toujours parlé de entente, accord politique, compromis et autres, etc., pour parvenir à un large consensus qui pourrait aider nous sortir dans la question ça. Jacques, nous t'es intervenu. Et l'homme t'est intervenu, on t'a dit que ça moi qui a venu là, on dirait que tout le monde aveugle pas senti ça qui a venu. Et ouais, l'a venu. Et m'a dit, il est impératif pour que dans un délai de 15 jours, si acteurs politiques, acteurs société civile et acteurs secteur privé, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas mis au d'accord pour que définitivement ils viennent entendre, je vais personnellement introduire une proposition de sortie de crise par devant les honorables sénateurs, les 10, même avec toute limitation que nous gagnons, pour nous capables de proposer une alternative de sortie de crise à la nation. Sur ces entrefaites, les lignes ont bougé parce que acteurs tendaient à appel moyen. Et ça, Binbaï, on marché pressé, nous qu'on a dit jour J-7, jour J-5 et autres, etc. Et finalement, dans Chita Palé qui fait entre eux-mêmes et avec chef gouvernement, eh bien, tu as gagné une première entente qui joigne entre eux. Mm-hmm. C'est ainsi que un nouvel gouvernement avec transition ou bien deux transitions et un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Moi, je fais annonce. Et l'homme fait annonce, je me fais lire exactement, si je ne me trompe pas, le 17, en début. Le premier ministre Ariel Henry vous a rencontré plus d'une fois chez vous. Il s'est déplacé pour vous rencontrer, selon l'information que nous avons. Et que peut-être tout est confirmé dans l'interview que vous faites et dans le secteur politique, etc. Qui ça qui fait problème à vous-même, à Premier ministre Ariel Henry? Rien de spécial, je n'ai rien contre le Premier ministre. D'ailleurs, c'est un ami de vieille date. Et si aujourd'hui il est Premier ministre, ça t'avait dit qu'en des termes clairs, relation que nous avons avant même que le premier ministre était et demeurait. À la seule différence, que approche les mêmes gains par rapport à pays en situation de crise, surtout avec mission qu'en tant que premier ministre, que le gain, qui c'est un, bail sécurité et direction, eh bien, on va admettre et reconnaître avec moi, et il peut aussi le reconnaître, eh bien, le principal objectif que le fixé par le tête et que le gagne comme mandat ou bien comme mission, et puis pas réussi ni une ni l'autre dans 14 ou bien 15 mois. Okay. Ma position en tant que sénat public et en tant que ami ou ancien ami pour le ministre, la première janvier, c'est qui ça dit? C'est toujours faire de telle sorte que faire des propositions ou bien des recommandations à chaque fois que me rencontrer pour faire des recommandations que m'y estimer qui n'a pas allé dans le sens de l'intérêt général. Parce qu'on nous dit ce qui importe. Ce n'est pas une question de fragiliser Ariel ou bien pas fragiliser Ariel ou bien doloter Ariel. Premier ministre Ariel, c'est pas ça qui est important. Ça qui est
important, c'est joindre la formule qui pour permettre que tout le monde mette. Mettez Haïti comme dénominateur commun, eh bien, nous tous mettons ensemble pour nous, si nous avons évité pays à un camouflet quelconque, dans quelconque puissance ou au plus de dans niveau international. En tout cas, c'est même plus important pour nous. Je voulais vous dire, ce qui a lieu de retenir, c'est que le premier ministre Ariel est en ville deux fois. Et au Parlement, si je ne me trompe pas, une fois à son bureau, et puis deux fois à ma résidence privée. Échange, c'est toujours des échanges très, très cordial, très correct, et autres, etc. Mm-hmm. Avec la seule différence que lorsque nous finissons par aller. Pas jamais rien de concret. L'on parle de rien de concret, parce que dans le pays, il y a gagné un peu de parole qui a parlé. Je dis, nous t'a remis qu'on est, en fait. Est-ce que ça a dit, donc parcelle de vérité là-dedans, c'est que le président de l'Assemblée nationale voulait, n'est-ce pas, qu'il y ait, et Mdabedou, une dynamique bicéphale, côté livre le président de la République et Ariel Henry tape. Et premier ministre. Et c'est ça qui fait problème, qui fait, par exemple, en tant que même avec Ariel Henry. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on était intéressé à ça? Et quel moment ça discutait entre nous? Écoutez, après l'assassinat du président Jovenel, ce que personne ne va attendre. Mm-hmm. Parce que dans l'après-midi, avant l'assassinat du président Jovenel, je me rendais en République dominicaine et le président m'a appelé pour me dire si j'ai bien voyagé. Mm-hmm. Tout le monde va s'attendre que le président Jovenel soit mourir ou assassiné de façon aussi lâche, aussi barbare, etc. à en croire les photos. Question qui était adoptée. À quelle résolution c'était au niveau Sénat, c'est dit qui ça? Parce que nous étions seuls élus légitimes. Nous fait adopter une résolution. Et la résolution prévoyait le président du Sénat comme président, mm-hmm. et M. Ariel Henry comme premier ministre, parce que du premier ministre Ariel, par devant l'international, que ce soit avec Gonzalez, que ce soit avec Barthé Paul, que ce soit avec Mme Nolande, que ce soit avec tout le monde que j'ai gagné occasion de parler, l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU et autres, etc. Tout le monde que j'ai avec eux, j'ai plaidé cette cause. Parce que on croit que c'est le premier ministre qui normalement doit en place parce qu'il a été désigné au départ avant son décès par le président. Donc la résolution prévoyait que ou même on t'appelle président de la République et Ariel t'appelle premier ministre. Premier ministre. Ok, maintenant, quel a été... Non, je termine. Ok, d'accord. Pourquoi que c'est nos deux ça qui, ces résolutions, que avec premier ministre Ariel, nous travaillons. Et après résolution ça, on a préparé une résolution du PEN